crevettes. New York, The Art of Marvel vient d'ouvrir. On va aller de ce pas découvrir la boutique, le hall, et peut-être, si on a de la chance, aller prendre un petit truc à boire. C'est parti, je vous emmène les crevettes. Tiens, il y a un copain derrière. Salut, ça va? Oui, salut. Juste revenir dans cette zone, déjà, c'est fantastique. Vraiment. Voilà, sur le lac. Voilà, alors on va découvrir cet hôtel ensemble. J'ai vraiment hâte de vous montrer. Allez, on va passer par là. Hop. Le voilà. Hôtel New York, The Art of Marvel. Alors je vous avoue, je suis très émue d'être dans cet hôtel qui est vraiment encore plus beau que ce que je pensais, encore plus impressionnant que ce que je pensais. La culture comics, je ne l'avais pas, je ne l'ai pas eu dans mon éducation. C'est mon mari qui l'a apporté, mes fils, et là franchement j'aimerais que Victor soit là. Je suis contente d'ailleurs d'être avec Chris qui va, si jamais j'ai des interrogations, m'aider, parce que je ne connais pas toujours tous les super-héros. Voilà, je vous montre ça, c'est fantastique. C'est magnifique. Là ça c'est du Alex Ross. Oui. On a différents artistes, tout exceptionnel. Et donc c'est une plaque en métal, magnétique en fait. Magnétique, oui, c'est un grand magnète en fait. Il n'y a pas à faire de trous, non mais c'est fantastique. Et c'est surtout que ce sont des reproductions de très grands artistes. Ah bien sûr, moi aussi c'est Alex Ross qui est un de mes préférés. Et t'es sur quel prix là? Je vous montre. Hein. 40 euros. 40 euros. Le choix est juste colossal. Génial, génial. Incroyable. Donc ça, c'est des lithographies à 30 euros. Ce sont des exclusivités hein, de cet hôtel. Voilà. Bon, elles sont pas numérotées par contre, mais elles sont à 30 euros, elles sont très belles. Donc il y a Spider-Man et là, il y a Captain Marvel. Là, il y a des premières BD Avengers, 9,95. Très sympa, vous avez les stylos. Les feutres, des cahiers bien sûr, ça on les a dans le parc, mais c'est toujours sympa de les trouver ici. L'univers comics à colorier de chez Hachette. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fans de coloriage. Oh, bah attendez, j'en vois d'autres, des lithos. Regardez celle-ci comme elle est belle. Oh, c'est superbe. Oh, j'adore les petites sandales Avengers, elles sont superbes. Donc les petits costumes. Celui-ci, on l'avait vu l'année dernière, vendu au studio, vous vous souvenez? Je vous répète son prix, 69,99. Il est très très beau. Avec l'intérieur, avec tous les super-héros. Ah, la casquette Marvel, elle est très très sympa. On a un chapeau. Le bonnet. Bon, les t-shirts, c'est des t-shirts qu'on retrouvait donc au parc. Hein. Be a Hero, vous vous souvenez, c'était l'année dernière. Voilà, ils existent en noir aussi. Bon, ça c'est vraiment du merchandising que je vous avais montré. J'adore ce pull fermeture éclair. 59,99. Le petit sac à dos, 36 euros, hein. Captain Marvel. Le sac, il est à 79,99. Je vous dis, c'est la rentrée dans 3 mois. Peut-être enfin une rentrée normale. Et les bagages. Oh, le bagage allemand, il est chouette. Pins. Voilà.
Vous avez aussi des badges. Pensez aux badges, hein, c'est super sympa. Oh, je l'aime bien le magnet. Ça s'appelle Groot. Il y a le magnet cadre photo de l'hôtel. Ah, sympa. Combien ? 9€. Très bien. Limite, t'as pas envie de mettre ta photo, ouais. Mais de laisser les persos. C'est vrai ce que ça fait. Oui, quelqu'un, c'est très joli. Très joli. Bon, après, il y a des magnets Marvel. On connaît tout ça. Regarde les pins. Ah, ils sont déjà pour la collection, je te dis tout de suite. Alors, mais... pins. J'étais surpris, c'est un pins. Je croyais que c'était un magnet. C'est un magnet. Mais non, c'est un pins. D'accord. Lui, il est à 10€. Ok. Et celui-ci. Ouais, 10 ça. Aussi, c'est pareil, c'est même prix. Très sympa. Et je regardais les porte-clés, j'adore la petite cassette. Petite cassette de Guardians of the Galaxy. Vous avez donc le porte-clés de l'hôtel. Hein, vous avez toujours les porte-clés qu'on trouve aussi au parc. Avec tous les Avengers. Et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs. Bonjour, ça va bien, Thérèse? Allez, quoi? Téléphone. Donc, quelque chose pour téléphone Avengers. Il y a de la pop aussi, hein? Et vous avez les pop Stanley. Super sympa. Bon, Captain America. Là, il y a les petites figurines de Endgame. Vous voyez, c'est tout rangé par thème ou par personnage, et ça, c'est très sympa. Donc là, on est passé de Captain Marvel à Spider-Man pour enfants. Alors, il y a le parfum de l'hôtel. Vous savez, comme il y a au DLH, vous avez le parfum de l'hôtel. Donc, les parfums de l'hôtel, hein, c'est 60€. Oui, c'est ça, 60€. Nous avons un mug Hôtel New York, toujours avec les super-héros. Voilà. Alors, le mug, il est à 16€. Alors, c'est des figurines exclusives, hein. 125€. Donc, il ne repasse pas les figurines qui sont dans le hall de l'hôtel. Les armures, tu as dans le hall, tout à fait. Oui, elles sont belles. Hein. Oui, que tu as pu voir dans les films. Ah, attends, je vais voir le peignoir. Il est à 100€. 100€ pile. Oh, il est très sympa. Hein. Ça, c'est la version enfant, mais il y a la version adulte. Bon, il y a les réductions PA aussi. Hein. Ah, pour les enfants, c'est 60, 80, 60, 60. D'accord. Très sympa. Oui, il y a la réduction PA. Ah, il est... Et je répète, hein, comme pour les plaques métalliques, les lithographies sont des reproductions, des lithos, de comics, en fait. Bon, le coup de cœur absolu, c'est la montre. Voilà, c'est la montre Iron Man. Et je trouve que le prix est très correct, c'est 70€ avec la réduction PA. Faites le calcul. Franchement, elle est magnifique. J'en connais un. Qui va arriver de Belgique. Ah là, vous avez des comics. Alors ça, c'est une première à Disneyland. Hein. J'avais jamais vu des comics vendus à Disneyland. Donc il y a Civil War. Marvel. Donc Alex Ross. C'est les mêmes prix que dans les librairies. Non. Voilà, là, il y a un livre sur Marvel. Je précision, il n'y aura pas de réduction PA sur les livres. Ah. Parce que tout ce qui est livre, il n'y a pas de réduction. Hein. Pas de réduction, c'est pré-éditeur. Comme le... Voilà, c'est tout à fait. Là aussi, il y a nous les Avengers. Oui, qui est une compile de différentes histoires depuis les origines des Avengers. Donc ça, c'est l'édition qu'on trouve en commerce. C'est Panini qui est édite en France. Après, on trouve alors, ce genre d'ouvrages, on les avait déjà dans le parc. On a l'encyclopédie visuelle, celui-ci, et l'encyclopédie illustrée Avengers. Pour découvrir ou réviser, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Enfin, c'est quand même une première qu'il y a des comics. Ah, les comics, là, oui. C'est... De toute façon, cet hôtel est une première mondiale, quoi qu'il arrive. C'est le premier hôtel Marvel. Et ce n'est... clairement, ce n'est pas un pur marketing. L'hôtel est une œuvre d'art. On regarde que ce soit les piliers avec les gravures métal, c'est une œuvre d'art. On va aller faire un tour. Comme ça, c'est les oreilles que j'ai achetées, déjà. Elles sont très sympas. Par les mugs, celui-ci, j'avoue, j'ai un coup de fou. Je le trouve très très beau. Voilà, 13€. Marqué dedans Marvel Comics. Oh, il est très très beau celui-ci. Non, non. Spider-Man. Qu'est-ce que tu penses du t-shirt alors? Il est très beau, il est à 30€. Petite finition avec liseré en bas et au niveau des manches également. Y'a rien dans le dos ? Non. Non, y'a rien dans le dos. 30€ ? Oui. Ok. Bon,
pour l'instant, la musique est absolument magnifique. Et en plus, ce qui est une histoire pour vous, c'est que vous avez quand même au même endroit tous vos super-héros préférés, que ce soit du t-shirt jusqu'au porte-clés, en passant par le meuf, en passant par le magnet, vous avez tout. Vous avez tenir superbe avec le même tag qui est vraiment super. Vous avez choisi qui, vous? Les Gardiens de la Galaxie. Magnifique. Ah, c'est vous qui choisissez votre personnage? Exactement. C'est le casse-le-bas, on va choisir un personnage. C'est génial. Alors, on sent un côté groovy, on sent un côté. hein, j'ai bien l'impression. Alors, le sac Marvel avec la petite pochette pour pouvoir le ranger. Voilà, il est super sympa. Il est grand, hein. Qu'est-ce qu'il est grand? Il est à quel prix? 9,99€ à partir de 20 euros d'achat. Génial. Et donc, vous voyez que vous les avez au caisse ici, rangés sous ce format-là. Et en plus, on a une présentation. Et en plus, nous avons une présentation. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Vraiment, cet endroit est absolument génial. Mais j'ai vraiment hâte de faire le reste de l'hôtel parce que, comme disait Chris, c'est une œuvre d'art complète. Vous avez l'impression d'être dans un comics, vous avez l'impression d'être dans un film du MCU. Tout est pensé, du moindre carrelage au moindre sol, en passant par les fioritures. Là, la boutique est vraiment... Alors, la boutique ne donne plus sur l'extérieur comme avant. Il y avait on voyait l'extérieur, là, elle est vraiment fermée. Mais elle est très agréable et il y a vraiment une diversité de choix et de produits. Donc vous avez aussi des œuvres d'art à l'achat. Hein. Regardez, c'est magnifique. 179€. Celui-ci est à 629. Vous avez des toutes petites aussi à 35. Comme ça en métal, elles sont magnifiques. Ça, 89€ au Captain America. Alors ça, c'est quand même... C'est incroyable. Regardez la beauté. Voilà. Figurine. Oh là 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 là. Oh, magnifique, magnifique, avec le certificat d'authenticité, 69€. Une photo. Bonjour. Vous êtes très beau, vous avez choisi qui comme super-héros? Pardon? Vous avez choisi qui comme super-héros? Un Avengers. Exactement. Vous êtes un Avengers. C'est un mystère. C'est un mystère, on ne sait pas lequel, mais... Pas encore. On compte sur vous. La partie où on est exceptionnelle pour tous les amateurs de comics, de pop culture en général, mais elle me tient particulièrement à cœur, parce que ce sont les couvertures des couvertures de Jack Kirby, Jackie Kirby, le maître incontesté du comics. Et voilà, c'est un émouvant d'être devant. Alors bien sûr, j'ai quelques originaux, l'intégralité de ce comics, notamment des pièces très rares, comme Dylan Dinosaur. Et l'homme de Dieu Pierre, on retrouve là-bas aussi. Et là, on a des planches, des reproductions, bien entendu. Heureusement. La beauté de Kirby, c'est chaque case, c'est limite un poème. Il y a une dimension épique. Il est inégalable. Moi j'ai hâte de voir ça. Regarde-moi ça. On découvre en même temps que vous cette merveille d'hôtel. C'est. Bientôt. Tout ce couloir, ce sont des concept art, mais pas forcément pour l'Avengers Campus qu'on aura nous. C'est ce fait à travers le monde entier. Hein. D'accord. Il y a Hong Kong, il y a ceux des États-Unis. Voilà. On a vu les États-Unis d'ailleurs déjà. Oui, parce qu'il la regarde, donc voilà, tout. On va la voir un jour. C'est sûr.
Oh, c'est génial. J'ai pu voir aux États-Unis, en Floride, donc, ce show. Oui. Et il est génial, je trouve, parce que ça allie. Ils ont été chercher de la vraie prestidigitation. On a le principe de la floating ball, on a différents vrais tours de magie, la personne, le performeur, et également le magicien. Et c'est très bien d'avoir été chercher les arts de la prestidigitation d'origine, sans être uniquement sur des effets spéciaux. D'accord. Moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. On a un vrai magicien en direct avec les gens qui sont en toi à regarder. C'est pas un show hallucinant, mais on a de la vraie prestidigitation. Là, ce sont les mythes qui sont réservés pour les gens qui sont donc, résidents de l'hôtel. Door opening. Je suis désolé. Door opening. La fresque est incroyable. Oui, la fresque est incroyable. Bon, next. C'est Captain Marvel. J'avais reconnu. Victor, c'est Captain Marvel. Tu te rappelles, Brie Larson? On y va. Next. Ah bah. Ah bah. Wakanda? Chris? Wakanda? Qu'est-ce que tu fous là? Je vais prendre la prise. Ah, tu me laissais prendre la prise? Oui. T'es impressionné à vous. Il est beau, hein? Next! Ok. Next! Même les escaliers, j'ai peur. Oh, il est beau. Oh, il est super beau. C'est qui? C'est dans World War Hulk, où il a été mis en exil dans les 4 Fantastiques. Enfin, les gens ont mis en exil sur notre planète. Là, il va devenir une sorte de héros. Ils vont revenir sur Terre pour se venger. C'est un cycle absolument incroyable. Incroyable. On continue? Youp! C'est parti. Il est dans un hôtel Marvel. Calme-toi, Spidey. Oh putain. Qu'est-ce qu'il fait? Thank you.
y en a partout. Partout. T'as vu derrière toi? Hello! Par Asgard. On disait pour l'instant, on n'a pas visité les chambres, on fera quand on aura réservé. Mais l'hôtel en lui-même est une œuvre d'art. Donc on a été à tous les étages, il y a des œuvres d'art incroyables. Oui, on n'a pas tout montré. De toute façon, je ferai une vidéo dédiée quand on va résider à cet hôtel, c'est clair. Je vous invite à aller voir celle consacrée au New York avant la transformation. D'ailleurs, on avait pu filmer, il y avait un premier couloir prototype. Oui. Il y avait la séparation avec l'ancien New York et le New York en devenir. Je me rappelle. Voilà. Ah, t'es content? Tu vas te faire couper la vidéo par la musique. Je mettrai une autre musique. Donc elle a été entièrement refaite, mais on est avec New York. C'est sa métropole, mais les noms. Sunset Wall Street, Fifth Avenue, Times Square. On est resté avec les noms New York. Et donc il y a toujours la piscine extérieure. Hein? Pareil, oui. Et donc je crois qu'il y a un petit bonus en plus qu'on va aller voir. Ah, c'est superbe. Et au fond, c'est le jacuzzi. On y va. Là, on va visiter quoi? La nouveauté? Regarde. Ah ouais! Dis pas ah ouais parce que tu vas aller t'entraîner. Tiens. Non, 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 si, monsieur, monsieur, je allez, ne suis même pas bientôt. Training zone. Je veux pas être critique. La barre de traction. Comment c'est les tractions, moi? Excuse-moi. Tu fais de rien, mais attends. Là, en pliant les genoux. Je suis sur le sol. Je pense qu'il faut que tu ailles au-dessus. Sur le sol, si vous regardez bien, c'est Captain America. Terrain de basket. Et Iron Man. Oui. Mais je sens la connerie, je la sens. Reste au centre, s'il te plaît. We'll be right back.
mon chéri. C'est à choisir. Peut-être là, il y a deux places. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Bien. Voilà. Comme ça, on ne vous prend pas une petite table à quoi. Bienvenue parmi nous. Merci. Laisse la carte. Yes. Avec plaisir. C'est installez-vous. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer. Installez-vous là. Au Skyline Bar, j'en rêve depuis que j'ai vu les concept art. Je te le dis franchement. Vu sur New York. Oui. Les super-héros viennent nous faire coucou. Sur Manhattan. On a pu voir le Queen Jet, on a vu Iron Man, Spider-Man, différents passages. C'est magnifique. En fait, on a trois fenêtres. Celle-ci, la grande derrière le bar, et une autre identique à la première de l'autre côté. L'Hudson River, tu vois ? Oui. C'est génial. Franchement, là, l'immersion, elle est incroyable. Tu vas prendre quoi ? Je sais pas encore, j'ai envie de prendre un cocktail, j'ai vu qu'il y a des cocktails, on mélange des couleurs, tout ça, je sais pas. On retrouve la carte qu'on avait à l'origine dans ce bar. Et ce qui est intéressant, au niveau des cocktails, on a des classiques new-yorkais. C'est ce que je vais prendre, dans mon cas, ça va être un Manhattan. Il y a des cocktails sans alcool, il y a des whisky, on trouve plein de choses. Et regardez l'arrière. Iron Man. J'aime beaucoup le design des fauteuils aussi. Oui. Il y a une fente sur l'arrière, ça rendit, ils sont super confort. C'est vraiment dans un club. C'est très cosy, hein. T'as vu, regarde, il y a tout un coin lounge comme ça par là-bas. Ah! Eurofusion réacteur. Oh. Et le Manhattan. Merci. S'il vous plaît. Tellement new-yorkais. Merci beaucoup. Merci monsieur. Bon moment. Merci beaucoup. Oh, il est beau ton Manhattan. Oui. Alors c'est quoi le Manhattan ? C'est du gin ? Non. Tu as du whisky, martini. C'est pas pour les enfants. Moi j'ai pris un sans alcool. C'est un mélange de jus d'orange, je me souviens plus trop. Enfin, il y avait plein de mélanges. Il y a plein de cocktails, il y a des boissons normales, il y a des choses avec alcool, il y a des whisky. Enfin, c'est incroyable. C'est beau dans le verre, il y a marqué Skyline Bar. Skyline Bar, oui. Il est là, il est là. Génial. C'est Hulk. Et voilà, super. Merci. À l'origine, cette vidéo, c'était juste le merch, la boutique merch, et on est parti à se balader dans l'hôtel. On a découvert. On nous a laissé découvrir, en effet, l'hôtel. Merci beaucoup. Et en effet, on ne monte pas de chambre dans la mesure où on ne réside pas à l'hôtel. Ce que j'avais dit avant, je ferai une vidéo complète là-dessus. Qu'est-ce que ton avis déjà, la première impression ? Mais c'est fantastique cet hôtel. Il y a une immersion qui est incroyable. Pour des fans de comics, c'est fantastique. Pour des gens qui sont moins fans, ça reste un très très bel hôtel. Les murs sont gravés, il y a des œuvres d'art partout, enfin c'est... C'est un musée. Ah, c'est un musée. Là, le Disneyland a poussé encore plus loin la thématisation comme on la connaissait. Oui. On reste avec les côtés, que ce soit Gramercy, Midtown, on reste avec New York. Ça n'a pas été transformé complètement en mode comics. Oui. Donc c'est, en effet, pour moi, c'est une œuvre d'art, cet hôtel, qui est une première mondiale. Un hôtel Marvel, c'est une première.
Et je me répète, mais là, la barre, elle est poussée très très haut, oui, je trouve. Oui. C'est vrai que c'est là, on rentre dans une nouvelle gamme d'hôtels d'immersion vraiment très importante. Là, si on oublie qu'on est à Disneyland Paris, on est à New York. Moi, déjà, je suis arrivée dans le hall, j'ai vu les boucliers, j'ai vu les armures. On a c'est fait quelques photos, Led Kirby, tout c'est exceptionnel, vraiment exceptionnel. Ben voilà, j'espère que ça vous donnera envie de venir. Il y a une expérience qui pouvait être faite aussi déjà, c'est que vous veniez manger au restaurant. Alors, par défaut, ils gardent le nombre de gens qui sont dans l'hôtel, ce qui est normal qu'il soit prioritaire. Mais l'hôtel offre une offre restaurant qui n'est pas, je trouve, hors de prix, puisque c'est 40 euros par personne. Non, mais même l'hôtel, je sais qu'il y a eu beaucoup le prix d'une nuit à l'hôtel. Faites une nuit au George V, vous verrez aussi un hôtel de luxe. C'est vrai que là, on est dans une gamme qui est très élevée. On a des œuvres d'art un petit peu partout. L'hôtel en lui-même, je sais que je me répète, mais pour moi, l'hôtel est une œuvre d'art où on peut se déplacer. C'est comme quand je suis dans un musée. Donc en soi, je trouve la nuitée, le prix est complètement justifié. À savoir aussi que vous avez toujours la réduction passe selon les saisons, hein, qui est plus ou moins importante. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas de passe annuel, vous avez donc le prix de l'entrée des parcs qui est compris dans l'hôtel. Hein, parce que ça, il y a des gens qui ne le savent pas. Voilà, donc profitez, ceux qui sont dans l'hôtel, en plus vous avez toute la journée un lounge de 7h à 22h où vous pouvez vous restaurer, prendre un goûter, voilà. Alors, j'ai pivote juste un petit peu, on peut voir au fond du couloir Spider-Man, costume noir, et c'est comme ça partout. Partout, c'est partout. Incroyable. C'est exceptionnel. Les détails, même les plaques des chambres, avec les numéros à la Marvel, c'est très très beau. Voilà, n'oubliez pas, pour plus d'aventures, c'est l'heure d'embarquer. C'est l'heure d'embarquer. Bye bye.